Salut Station Fréquence, les bonnes soirées à côté à vous tous de la part de Dandy 33 et c'est parti pour le quiz sur la scène du Canal 27. Donc on est le vendredi 10 mars 2017. Les 73 Michel. C'est pas toi Michel que j'ai entendu derrière ? Ok, tout ce monde qui est derrière là du côté internet, Achille, les 113. Eh bien moi, c'est pas du côté internet là qu'il y a quelqu'un en écoute, c'est au QRA qui va pas tarder à se mettre en place sur la colline comme la dernière fois. Oui, le break, les 113-51 là du groupe du QSO du Canal 27. Ok Belphégor, c'est des Santiago 2 là de mon côté. Les 113-51 à toi, et ben c'est bien dommage. Parce que là c'est Santiago, c'est Radio 5, Santiago 2 de mon côté. Et dans quelques minutes, tu vas voir Pascal 14ODR001 qui va se mettre en place sur la colline. Quand il aura fini de papoter avec mon YL, HI 3 coups. Ok, alors les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27, je sais pas, il y aura peut-être Eric, Ludovic. Oui, 73-51, 14 Victorico 27, 14 ODR 027, opérateur Eric, je salue Michel, la tour de contrôle, salut Rémi, et puis salut Abel Fégor qui est derrière, voilà, je salue aussi, donc voilà, mes retours à toi Rémi, et puis salut aux autres. Hein. Ok, ben j'ai Pascal qui est au QRA, là, qui est en train de papoter, là, il a complètement oublié le QSO. HI 3 coups, oui, il y a Belphégor derrière. Alors, je fais le QSP Belphégor, il est complètement noyé dans les QRM ce soir. Donc, il va essayer de rester un peu là, en stand-by derrière, mais ça n'a pas été évident du tout de son côté, quoi. Ok, ouais, Belphégor, voilà, j'ai fait le QSP là pour toi, là, vu que tu es dans des conditions très difficiles ce soir de ton côté. Oui, mais je l'ai reçu, au niveau signal, j'ai que dalle. Par contre, au niveau radio, elle est très bonne. Donc, mes amitiés du Lot-et-Garonne sur Bordeaux, non, ça passe bien. Mais je préfère m'écarter, je reste RX là, sur le côté, voir si un peu ça va s'améliorer. Allez, retour Eric, merci. Ok, retour Eric, Belphégor t'as entendu fort et clair. Enfin, clair, pas si clair, enfin si, t'as entendu quand même, il n'y a pas de souci. Retour Eric. Ok Belphégor, 73-51 à toi, j'espère que tu vas bien. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de te voir peut-être à Radio Brosque demain, si tu y vas. Voilà. Eh bien, tu me prends le QSP, parce que j'entends parler, mais c'est comme ça, mais je le sors à peine. Voilà. Mais il me semble avoir entendu un bip derrière. Alors, on va laisser un petit blanc, une fois qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait rentrer en avant.
Merci pour le tour de micro. Ludovic, est-ce que tu es des nôtres ce soir? Ouais, ah oui, excuse, ouais, tout ça parce que je ne l'ai pas entendu, forcément, je n'envoie pas le bonjour, n'importe quoi. Hachi, les mentions 13, Xavier, voilà, de la part de Dandy 33. En même temps, un petit clin d'œil du côté de Gilles, 9, bravo Charlie 555, là, qui nous a fait deux vidéos, là, sur Facebook. En tout cas, s'il n'a pas entendu en direct, il l'aura via la vidéo. Non mais Michel, j'hallucine, c'est pas vrai. Alors déjà, Edin, c'est toi le doyen du QSO. Et deux, je suis pas le responsable du QSO. Voilà, on est un groupe ou on ne l'est pas. Hachi, vas-y Michel. Alors, je ne vais pas choisir, je ne vais pas ma fidèle. Allez, Fred, Fred, il est pas ce magnifique. Retour à toi, je suis derrière. Ok, les bandes 113-51 retournées au département 81, département 31, département 59. Bon, j'ai pas forcément bien entendu les indicatifs. 88, évidemment, Roselyne.
J'ai un peu de QRM de mon côté, donc c'est pas forcément évident d'avoir une bonne écoute. Hein. 14 ODR 001, Pascal est en train de se mettre en place. Ça y est, il s'est rappelé qu'il y avait un QSO ce soir, et il sera également des nôtres demain soir. Ok, j'espère que je suis en module personne. Ok, Pascal, mets-toi sur le 27274.90. Là, ça ira mieux pour tout le monde. Enregistrer le break. Bien content de t'avoir justement parmi nous, Ludovic. Les bons sont très secondaires à toi. Alors, je vais faire passer le micro à quelqu'un qui est tout près, qui est pas loin de moi. Le problème, c'est qu'il marche sur la tête. Là, ça commence. Je commence à le sentir un peu. Vas-y, retourne le micro. Retour à toi. Ok, il n'y a pas de soucis. Normalement,
Dwarf confirme bien pour demain matin, donc voilà. J'essaie de passer dans le courant de la matinée, voilà. Donc ce sera l'occasion de faire connaissance avec grand plaisir. Voilà. J'ai cru entendre un Roger Orbit de 7009 aussi derrière. Je ne sais pas si c'est Daniel Centaure ou si c'est quelqu'un d'autre, voilà. Donc avec votre permission, on va laisser rentrer le break. Je suppose que c'est un break, à moins qu'il soit déjà en QSO. Voilà, donc la station avec le Roger Orbit. Je crois que c'est Daniel. Ok, alors j'ai eu juste la fin. J'espère que ce module personne. Ok, c'est bon. J'ai eu juste la fin, les 913-51, toi Daniel. Alors tu as aussi Pascal, 14ODR001, là, qui est avec nous là sur le QSO. Demain matin, on sera à 7h, à partir de 7h en fréquence sur le canal 27, en uniforme Sierra Bravo, Daniel. Retour de micro sur Pascal. Ok, je crois, les bons 73 à toi, mon petit Daniel. J'arrive à te sortir, j'espère que tu vas pouvoir me sortir aussi. Et puis, les bons 73 à Belfigore, s'il arrive à me choper aussi. Et puis, au plaisir de croiser tout le monde, là, ce monde-là, à ses staffs. Et puis, je pense que ça fait une bonne journée. QSI et IWX qui est annoncé au bout fixe. Donc, ça va être que du bonheur. Voilà, retour. Thank you.
notre petit ami à la tour de contrôle là qui doit s'ennuyer. Alors je vais y repasser la pastille, voilà. Merci pour le retour du micro. Mais tout, en vous entendant, il n'y a pas de problème. Je signale que Michel de Toulouse sur son antenne. Et lui, il dit qu'il a l'antenne. Vous voyez, il y a la chapelle qui passe sur Toulouse. Par contre, la dispense de la Rochelle, avec un petit retard, et tout allumé. Fred, tu es disponible pour saluer tout ce petit monde. Je suis pas capitaine du QSO, hein. Les 20 73 51 14, bravo Charlie Alpha Romeo 277 La Rochelle. Eh bien Pascal, je te passe Pascal. Ok, bah, les 20 73, hein, mon petit Fred, et puis bah, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un à nous, Fred. Encore un, hein. C'est pas mal encore ce soir. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir rien compris, moi? Oh, c'est bon là. Ok, désolé Fred. Ah, je suis trois coups. Je sais plus quoi dire. Retour Eric. Voilà, pour son conseil pour le changement de ventilateur de l'alimentation.
allez me changer la vie, bah dis donc, si je te croise demain, je crois que je t'embrasse, hein, voilà. Parce que vraiment, vraiment c'est plus silencieux, hein. J'ai acheté le ventilateur que tu m'avais conseillé, j'ai fait la bidouille et voilà, c'est, ça change la vie, ça fait plus un bête de bruit quasiment, enfin c'est un vrai bonheur. Donc voilà, je retourne le micro à Xav et puis tu feras tourner. Rendez-vous de demain, Pascal. Ok, donc voilà, alors merci pour les deux parce que ça se croise. Voilà, il y a même une petite porteuse en direction de Libourne, là. Donc je le vois bien. Donc j'y passerai après, peut-être s'il veut parler, j'y passerai la pastille. Oui, donc pour aujourd'hui, c'est un plaisir déjà d'avoir parlé. Hasard, il n'y aurait pas Christophe de Langoiron là, qui serait derrière. Apparemment non. Fredo, Laurent. Bah, est-ce qu'il y a des stations qui veulent rentrer dans le caisson? On est en avant, hein. Voilà, je viens de l'entendre là, donc le AA, s'il veut rentrer dans le QSO, il sera le bienvenu, voilà. Sur le grand copain, là, pour mieux vous entendre à tous. De mon côté, Daniel, hein, c'est nickel, impeccable. Hein,
Ok Daniel, reçu. Ok d'accord, non j'ai pas vu du tout parce que là j'essaie d'être un petit peu partout et en étant partout je vois plus rien du tout. Hachi pour la petite info là vu que c'est pas mal actif, enfin que c'est pas mal actif, que c'est assez actif, qu'il y a Pascal avec nous, j'ai relancé là une deuxième fois la vidéo. Donc on verra bien à quel moment j'arrêterai quoi. Mais de toute façon si je laisse aller jusqu'au bout, j'irai pas au-delà d'une heure. Hein. Oui, Belphégor, est-ce que tu es toujours parmi nous? Non, apparemment non. Retour Pascal, puisque là, c'est toi qui est le plus haut placé, donc là, tu entends tout le monde. Mais à une vitesse même basse, c'était bruyant. Donc ça, plus le bruit du vent.
ventilateur du PC et plus le ventilateur de l'alimentation, enfin voilà, ça a commencé à faire un beau fond pas possible et ça, c'était pas très agréable. Donc du coup j'en ai parlé au hasard d'un QFO il y a longtemps où Eric était là et puis il m'a dit ah ben dis donc, moi je sais quoi faire. Donc il m'a expliqué qu'il y avait un ventilateur à changer, mais il m'a recommandé un truc. Ça c'est il y a quelques mois, entre temps j'ai oublié le modèle, donc j'ai redemandé récemment. Je viens de faire un bout tout à l'heure. Donc il m'a recommandé un modèle que j'ai commandé il y a quelques temps. Et puis donc par là-dessus, bah, je l'ai monté cette semaine. Et quand j'ai branché l'alimentation, quand j'ai mis le contact, si on peut dire, j'entendais plus rien, il n'y avait pas de bruit. Alors je me suis dit mais c'est pas possible, je l'ai mal branché, j'ai fait n'importe quoi, et puis bah si, il est pas le tourné, impeccable. Donc c'est juste que c'est génial quoi. Donc aucun souci, c'est juste que ça faisait du bruit. Donc remplacement de ventilateur, très rapide, deux petits coups de soudure, voilà, pas de souci de compatibilité en termes de voltage et tout ça. Ça s'est fait en 2-2 et c'est très efficace. Donc voilà. J'aurai quelques photos peut-être à montrer sur le téléphone. C'est rien d'extraordinaire, hein, mais j'aurai quelques photos peut-être à montrer sur le téléphone demain pour ceux que j'aurai le plaisir de croiser, voilà, retour Pascal. C'est toujours intéressant, c'est vrai que c'est toujours un peu chiant d'avoir le ventilo qui commence à vibrer. Moi je sais que du coup j'avais démonté le mien, j'avais mis un petit coup de soufflette et puis de la bombe contact et franchement ça a été nickel, ça a suffi pour l'empêcher de vibrer, mais c'est vrai que quand il commence à devenir vieux avec la poussière, ça fait du bruit après. Mais oui, c'est vrai que tu peux, il n'y a pas de problème hein, de montrer ça, ça peut servir. Hein, et il y en a plus d'un sûrement que ça doit y arriver. Voilà. Bon, bah, retour à la tour de contrôle. Là, et puis, ouais, tu m'as pas dit si tu venais en fait à la tour de contrôle. Là. Ah non, non, le papy, il a très loin ses difficultés pour se déplacer. Il y a une super mamie voisine, qui confirme, donc je suis obligé de m'occuper. Alors, le papy, c'est pathétique. Les déplacements sont abolis. Allez, mais retour à toi, Eric, et tu fais suivre ce que vous avez. Nous l'entendons pas, mais on a le droit de parler quand même comme tout le monde. Donc, retour à toi, Eric. Ok, il n'y a pas de souci, ouais, mais écoute, moi tu sais, je sais pas trop quoi raconter là, ce soir. Hein. Bon, je vais retourner à Daniel. Vas-y Daniel, et puis tu feras tourner. Oui, ok, mais écoute, je me rapproche de Blanc Contour. Alors je sais pas si tout le monde m'entend bien là, je m'en vais sur mon point là. Donc ça va faire une petite semaine, c'est pas grave. Ok, demain midi, Daniel, l'ensemble du groupe, on mange au même endroit que l'année dernière, hein, Daniel, on est bien d'accord. Là-bas, le petit restaurant, là où il y a, du côté là, du centre commercial, là où il y a un grand parking, la station essence et tout, on retourne au même endroit, hein, bien évidemment, Daniel. Hein. Je me suis précipité sur le cabanon à la tapis là et malheureusement j'ai pas eu le temps d'appeler là pour demain là. Alors il faudra que je m'échappe à un moment donné pour justement donner le nom.
nombre de personnes sont sur. Eh oui, surtout que là, à la seconde, on n'en sait de rien. Puisque tu as vu l'année dernière, tout s'est fait directement sur place. Et puis voilà, ça a été de la grande improvisation, c'est ça le meilleur. Hachi. Donc ouais, on verra bien demain, quoi. Est-ce que des fois il y aurait Cédric, est-ce qu'il sera en fréquence derrière à tout hasard? Ouais, désolé Daniel. Ouais, je demandais si Cédric Dubarp serait éventuellement en fréquence là derrière. Au cas il viendrait aux news là pour demain, parce que là, normalement il y va. Hein. Ouais, mais écoute, de toute façon, je réservoirai pour. Attends, c'est à droite ou à gauche, je peux t'expliquer. Là, je t'ai un petit peu perdu là sur la fin. T'es en train de moduler en roulant. Fais gaffe, Daniel. À chaque fois, ça te coûte un pneu, ça. Hachi trois coups. Oui, Michel. Ok, eh bien, c'est pas vraiment un salon, enfin si, quand même un peu, mais c'est surtout une brocante radio, radio amateur, radio TSF, et avec en même temps un peu de matériel CB, mais c'est surtout brocante. Voilà, et cette brocante qui se fait sur ces stas, ça a lieu sur toute la journée, mais comme n'importe quelle brocante, n'importe quel salon, de toute façon, la principale activité se fait surtout sur le matin, quoi. D'ailleurs, il y a nous on y sera à l'ouverture. Il y a Bernard 14 unité francophone 01 qui lui descend de Royan. Il sera demain matin à l'ouverture aussi. Et on est tout un groupe qui s'organiseront directement demain matin sur place pour se retrouver pour un gastro solide demain midi. Voilà. Ok, merci pour vous, Rémi. Allez, je vous parle à micro et je vais tourner. Ah bah là, pour le coup, j'ai tout dit. Là. Retour sur Pascal, puisque bon, t'es pas souvent sur la région, donc au contraire, j'en profite pour te repasser, pour te rejeter le micro. Voilà, bah, je reprends en vol. Voilà, je voulais demander une première chose. Est-ce que Daniel, tu as le plan de ton antenne que tu avais ramené à Port des Barques, l'antenne, je crois que c'était une antenne pour le 2 mètres. Je te demandais si tu avais le plan de ton antenne 2 mètres. Je crois que c'était 2 mètres celle que tu avais ramenée à Port des Barques. Je comprends pas, tu peux parler d'antenne, c'est tout ce que j'ai compris. Parce que comme j'avais récupéré des vieilles antennes de
j'y étais, dans l'Oise, là, il y avait aussi pas mal de monde. Et c'est vrai que bon, j'y pense pas toujours de demander parce que y en a qui veulent les garder. Et puis bon, c'est toujours un peu délicat de faire ces demandes. Mais bon, je dis, au cas où, s'il y en a qui ont du vieux matériel, je suis preneur. Voilà. Fredo sera des nôtres demain. Désolé d'avoir coupé. Ok, ben, je reprends. Oui, c'est dommage que le Olala, il veut pas parler avec nous là, parce que moi je m'approche de lui là. Ok, j'ai pas compris à qui était le retour du micro. De mon côté, ce soir, ça passe vraiment mal. Michel, ouais, si le retour du micro a été de mon côté, là, c'est vraiment hard là, ce soir. Hein. J'espère que demain soir, ça ira mieux. J'ai pas mal de QRM là, de mon côté. Retour sur Pascal pour voir s'il a mieux entendu. Voilà, t'as tes réponses. Ah oui, tout ça, je pensais moins. Pascal. Oui. Ouais, demain tu seras... Moi je serai en fréquence demain matin à partir de 7h, je serai sur la même fréquence là, qu'on est actuellement. Je serai à l'écoute, et donc, parce que tu vas partir plus tôt toi, non? Je vais partir à peu près vers... on doit se lever vers 6, moi à 6h30 je décolle. Hein. Ok, d'accord, mais moi à 7h demain matin je serai à l'écoute, voilà, donc sur cette fréquence là, et puis voilà. Rémi, ok, c'est bon, t'as reçu Rémi, toi aussi. Ok, nouveau message de Fredo, il vous envoie les 73 et il sera des nôtres demain matin à Radio Broc. Voilà. De toute façon, peu importe l'heure à laquelle Pascal décolle, nous on décolle à 7h pour te retrouver à 8h, Eric, chez toi. Ok Rémi, bon, moi il n'y a pas de souci, mais moi de toute façon je serai à l'écoute, on va te suivre dans la radio, parce qu'à partir de 7h, moi je serai là sur la fréquence, donc il n'y a pas de problème. Puis dès que tu te rapproches, après je couperai les émissions et puis je descendrai. Ouais, ben Pascal sera déjà, il sera déjà sur la fréquence, hein. Voilà, est-ce qu'il prendra la route comme il a dit à 6h30? Il faudra déjà voir ça, s'il sera réveillé, quoi. Ah, chi. Ah, ben, je peux être à 5h, je peux décoller, moi. Ouais, à condition que tu dormes dans ta voiture, c'est ça? Chi. Pour Pascal.
Ok, je reprends. Ok, alors c'est du c'est radio 3, radio 4, donc ça passe, hein, je t'entends bien. Et Santiago, entre 1 et 1, enfin, entre 1 et 2, voilà, Santiago entre 1 et 2, là, de mon côté. Retour sur Pascal. Ok, ben moi c'est Santiago de 5 avec une radio de 5, hein, donc il n'y a pas de problème, hein. C'est nickel chrome. Ouais, vas-y Daniel, je t'en Hervé, je vais te dire. Tiens, pendant que j'y pense, Michel, l'interaction que tu fais là avec Internet, eh ben, ça te donnait de super bonnes idées du côté du QSO du canal 27 région centre, puisqu'ils font carrément, si j'ai des bonnes saisons de 13 et Ludovic, si j'ai bien compris, ils font même une interaction avec Facebook, je sais plus, j'ai pas trop compris le système, mais ils ont fait tout un truc, il y a Facebook qui rentre, qui est dans le QSO, je sais plus, c'est, pour l'instant c'est un petit peu brouillon de mon côté. Retour Pascal, les mentions 13 et Ludovic. Si il n'y a pas eu une modif qui a été faite.
mettre dessus parce que dans les paramètres, parce que là on n'a pas pu faire d'essai du coup ce soir. J'ai l'antenne d'origine, toi, alors c'est les antennes de 10 cm, tu sais, ça porte pas bien loin. Hein. Il a QRT, je pense, hein, parce qu'il veut s'occuper de sa petite famille, voilà.